time. It's clear to see from up here. Bienvenue, welcome pour un nouveau vlog. Tchin tchin. Comme vous le savez, qui dit vlog chez Flowfly dit cheveux gras, dit matin. Oh là, il est 8h, c'est pas trop mal, mais c'est parce que je suis en congé. Je ne travaille pas pendant 15 jours, donc je vais pouvoir faire des vidéos. Ça va être trop cool. Ce nouveau vlog, vous avez dû le voir dans le titre, s'appelle Joli des prix littéraires ou presque. Ou presque, parce que à l'heure où je filme, nous sommes le mardi 2 novembre et nous ne savons pas encore quel est le Goncourt 2021. Alors je sais qu'il y a Milwaukee Blues qui est dans la finale, j'ai déjà lu. Il y a le roman de Christine Angot que je n'ai pas lu mais j'ai pas vraiment envie de le lire et en plus il a eu le Fémina, je crois. Enfant de salaud de Sœur Chalandon que j'aimerais bien lire et La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr que je n'ai pas encore lu et que je possède. Donc c'est celui-là que je vais lire et je fais le pari que ce sera lui qui obtiendra le prix Goncourt. Je crois que c'est demain. Ah oui, demain à 12h45. On est mardi 2 aujourd'hui et c'est le mercredi 3 novembre qu'il y a la révélation du Goncourt. Donc je saurai demain si je me suis trompé ou pas. Christine Angot, je l'imagine mal avoir le Goncourt étant donné qu'elle a déjà eu un prix cette année. Milwaukee Blues, j'avais beaucoup beaucoup aimé, mais je pense que c'est pas assez chiant pour être un Goncourt, malheureusement. Voilà où j'en suis. C'était quand même assez facile à lire, assez agréable, et j'imagine mal. L'Académie décernait le prix Goncourt à ce livre, qui pourtant était génial sur le traitement des émeutes raciales et du Black Lives Matter aux États-Unis. Celui-là m'a l'air un peu plus dans la veine goncourdienne, donc voilà. Je pense que je vais lire celui... Enfin, c'est sûr, je vais lire celui-là. J'ai dit des bêtises, c'est pas le Fémina qu'elle a eu, Christine Angot, c'est le prix Médicis. Le Fémina, c'est Clara Dupont-Monod qui l'a eu pour S'adapter. Je crois qu'on va être avec des pierres qui vont parler. Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme dans les contes, la force vient des enfants de l'aîné. Je sais pas du tout de quoi ça parle, c'est très très court, donc j'ai pas lu le résumé, 165 pages. Je sais juste que voilà, c'est une histoire d'enfance et de Pierre qui parle, et ça m'intéresse trop, donc c'est celui-là que je vais commencer dès ce matin. Et Le Fils de l'Homme, de Jean-Baptiste Delamo, publié chez Gallimard, qui lui a obtenu le prix Fnac, donc en début d'année, en septembre ou en octobre. Et évidemment, je me suis rué en librairie pour acheter parce que c'était le prix Fnac. Et au final, je ne l'ai pas lu depuis 2 mois. Donc oui, ça devait être septembre d'ailleurs. Étant donné qu'il va y avoir le Goncourt demain, je pourrais réagir en vidéo pour savoir si je me suis trompé ou pas. Vraiment, même ma libraire, on en a parlé, elle m'a dit qu'elle le sentait vraiment bien pour Mohamed Mbougar Sarr. Donc voilà. Oh, je l'ai acheté il y a bien 10 jours. La liste des finalistes avait déjà été révélée, les 4 derniers. Je l'ai acheté à peu près à ce moment-là. Je vous reprends mon avis un peu plus tard dans la journée quand j'aurai avancé dans S'adapter, voire terminé S'adapter de Clara Dupont-Monod. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va voir de quoi sont faits nos prix 2021. Je suis en train de penser, j'aime beaucoup le Renaudot souvent, et je sais pas du tout, je me suis pas renseigné où est-ce qu'on en était dans le prix Renaudot. Il nous reste Premier Sang d'Amélie Nothomb, et je crois que c'est sa seule nomination d'ailleurs, qu'elle a pas été nominée dans d'autres prix cette année. Murnau des Ténèbres de Nicolas Chemla, alors j'en ai absolument pas du tout entendu parler au Cherche Midi. Le Voyant des Tempes de Abel Quentin chez l'Observatoire, celui-là me donne très très envie aussi. Et la carte postale d'Anne Berest, la carte postale m'intéresse aussi, donc bon, on verra mercredi, demain. Si je file en librairie pour acheter le Renaudot, on verra. J'allais clôturer la vidéo, mais non, pas du tout. C'est parti pour un autre plan pas du tout avantageux. Ah bah si, voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Bon bah, vous voyez, hein, on est le matin, j'ai une voix de brun, je ne suis pas coiffé, pas lavé. Je suis toujours en train de lire S'adapter de Clara Dupont-Monod. En fait, le roman est découpé en 3 parties. Je viens de m'en rendre compte une fois que je suis arrivé à la 3e partie. Donc il me reste 40 pages à lire, j'ai lu 120 pages et franchement j'adore. Je vais dire là que ça, pour moi, ça mérite un prix parce que c'est super bien écrit, c'est vraiment mais magnifique. Donc on est dans une famille avec 2 enfants, un garçon qui est l'aîné et une fille, la cadette, et ils attendent un 3e enfant. Sauf que ce 3e enfant s'avère être handicapé. L'handicap, il n'est pas mentionné, il n'est pas nommé, alors je ne sais pas si ça a un nom, mais en fait il a une dégénérescence et le cerveau ne donne pas d'informations à son corps. Donc l'enfant est aveugle, l'enfant ne peut pas marcher, l'enfant est... enfin, c'est presque de la tétraplégie parce qu'il ne peut pas du tout bouger. Ses seuls moyens d'expression sont de rire ou de pleurer, et il ne peut rien faire d'autre. Et on va voir comment cette naissance force toute la famille à s'adapter, comme le nom l'indique, à ce nouvel équilibre, à trouver un nouvel équilibre, sauf qu'on va pas du tout nous parler des parents, on va être entièrement sur le ressenti des enfants. Donc en premier, on est avec le frère aîné,
après avec la fille, la cadette, et enfin la troisième partie que je n'ai pas encore commencé, s'attarde sur le dernier enfant, donc l'enfant handicapé, qui lui ne peut pas penser, ne peut pas s'exprimer. Alors est-ce qu'elle va nous plonger dans la tête de cet enfant handicapé pour nous dire que finalement lui il arrivait à peut-être penser et ressentir des choses mais juste ne pas les exprimer, je sais pas, mais vraiment ça me prend aux tripes, ça me prend au cœur. J'ai lu hier la première partie, là ce matin je viens de lire la deuxième partie, donc sur la fille cadette, qui ont des ressentis totalement différents face à cet enfant. Le frère qui est très très protégé. Le frère est très protégé. C'est trop dur à dire. Le frère est très protecteur. Le frère est très protecteur. Protection. Le frère est très protégé. Le frère est très protecteur. Je n'y arriverai pas à le dire. Je ne vais pas y arriver. Le frère protège beaucoup son petit frère, le grand frère donc. Alors que la seconde fille, elle, est beaucoup plus dans la colère, en fait, de cet enfant handicapé. La colère de voir son autre frère, son frère aîné, se dévouer autant pour ce frère handicapé. Enfin, c'est vraiment très très beau. Ça se lit très très bien. Le style est magnifique. C'est des phrases assez courtes. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec du Laurent Mauvignet, que j'aime beaucoup. Là, on est vraiment dans une narration qui est beaucoup plus coup de poing, en fait, ouais, c'est ça, les phrases sont courtes, les mots sont balancés, et en même temps, c'est super beau, parce que je vous dis, on est avec des pierres, en fait, je sais pas si je l'ai dit ici, ce sont les pierres de la maison, de la cour, qui forment le mur d'enceinte, qui racontent l'histoire, ces pierres qui sont là en spectatrice de cette famille, qui est en quête d'un nouvel équilibre, qui est en quête d'une façon de fonctionner, ou en tout cas de ne pas dysfonctionner. Je suis soufflé par la beauté des mots de Clara Dupont-Monod et par la puissance de ce texte. Je n'ai aucune idée de si c'est autobiographique ou inspiré d'une famille qu'elle a connue peut-être ou quoi, mais ça sonne tellement juste, tellement vrai. Les réactions de ses enfants, elles sont tellement palpables. Enfin, par exemple, il y a une scène du quotidien où la mère attache le fils handicapé qui doit avoir 6-7 ans dans un siège auto, dans sa voiture. Et c'est une scène qui est très banale. C'est une scène que tous les parents ont fait des dizaines de fois, des milliers de fois avec leurs enfants. Et là, la façon dont elle le raconte avec la fille qui est à côté, enfin les trois personnages dans cet habitacle qui font une scène du quotidien et qui, moi, m'émeut et me fout les larmes aux yeux limite parce que c'est tellement fort et tellement vrai. Là, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc quand je viendrai vous revoir là dans, à mon avis, une trentaine de minutes, quand j'aurai terminé le roman, j'aurai plus grand-chose à dire, mais... Quelle claque ce roman, quelle claque, et je pense qu'il va tout de suite rentrer dans mes meilleures lectures de 2021 parce que je prends un pied monstre. Je commencerai juste après s'adapter La mémoire la plus secrète des hommes, La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed M. Bougassar. J'ai plus de batterie, je reviens. Il est 10h, donc le Goncourt n'a pas encore été annoncé. Franchement, le roman est magnifique. Le travail éditorial de chez Philippe Ray, là, je le trouve somptueux, là, autant par la couverture que par la qualité, que par le rabat, même la mise en page, les pages sont super belles, la police d'écriture, le tout. Je trouve ce roman super beau. Bref, en attendant, je continue s'adapter et on verra à 13h si j'ai eu raison ou pas de parier sur La plus secrète mémoire des hommes. Je viens de terminer à l'instant S'adapter de Clara Dupont-Monod et autant vous dire que alors la dernière partie, je ne m'y attendais mais pas du tout. C'est pas du tout ce que je vous ai dit, mais du coup je vais pas vous dire ce que c'était parce que je l'ai pas vu venir, j'étais complètement ailleurs. Je suis, je vais pas dire dévasté parce que c'est un super beau roman, mais je suis très 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 agréablement surpris par cette lecture. J'en attendais vraiment pas grand chose, hein. Je l'avais acheté en me disant que, vu que c'était un prix, voilà, et vu que je savais même pas de quoi ça allait parler, j'avais peu d'attentes, et j'ai bien fait de pas avoir d'attente parce que... J'ai passé un moment, et cette fin, oh là là, la scène de fin qui est mais totalement banale, totalement bête, m'a foutu les larmes aux yeux. Peut-être aussi parce que, en fait, la famille ressemble à la mienne, parce que moi j'ai un frère aîné, et ma sœur est au milieu, et je suis le dernier, donc on est un peu, enfin, on a la même construction de famille, et peut-être que par extension, je me reconnais dans les mots de l'autrice, même si nos familles sont... très très différente, mais waouh, quelle lecture. Franchement, j'ai pas grand chose à vous dire à part que j'ai vraiment adoré. Je vais pas vous en dire plus, sauf que jusqu'à la fin, ça m'a tenu en haleine et vraiment j'ai savouré les mots de cette autrice, cette histoire qu'elle nous raconte, sans même nous dire un prénom ou quoi que ce soit, elle arrive à nous faire sentir les personnages, à nous les faire vivre, à les rendre vrais, et c'est magnifiquement bien fait. Je suis encore un peu vraiment là, fébrile.
face à cette lecture. C'est pourquoi je vais essayer de voir ce qu'elle a écrit d'autre, cette petite Clara Dupont-Monod, parce que là, bah, est l'auteur de plusieurs romans dont La Passion selon Juette, Le roi disait que j'étais diable, ah, je crois que celui-là c'est sur Aliénor d'Aquitaine, et La Révolte en 2018. Je vais prendre ma douche pour me remettre de mes émotions, m'habiller, et après je vous reprends rapidement parce qu'hier j'ai reçu une commande Etsy que j'ai faite il y a un bout de temps mais qui a mis un peu de temps à arriver chez moi. Et je suis sûr que ça va vous plaire, car c'est des trucs qui sont un peu reliés au livre et à la papeterie. Donc je vais me doucher, je me fais beau, et on se retrouve juste après. Vous voyez comment je suis habillée, mais vous verrez pas ma tête. Je suis propre et lavée. J'ai donc fait une commande sur la boutique Le Prince au Petit Pois, sur Etsy. Elle a aussi un site internet. Et j'ai commandé le 12 octobre, et là on est le 3 novembre, et ça vient seulement d'arriver. Donc ça a été un peu long. Je sais pas si c'est parce que j'ai commandé sur Etsy et pas sur son site. J'en ai aucune idée, mais c'était un peu long. Ma foi. C'est arrivé, c'était lassé... avec une espèce de ficelle, là, je sais pas si vous pouvez voir, et des petites illustrations qui sont trop mimes, et du coup je vais les garder parce que bah, dans le bullet journal ça peut toujours faire l'affaire, et en plus c'est du papier qui est genre super, super quali, donc voilà. Et même les emballages sont trop beaux, regardez-moi ça, on dirait genre du papier journal en mode la gazette du sorcier dans Harry Potter, même les petits stickers, le masking tape, enfin tout est super beau. Donc je ne sais absolument plus ce que j'ai commandé. J'ai un peu craqué mon Slype, je crois que j'en avais eu pour 30 balles. J'avais commandé pas mal de marque-pages, parce que comme je vous le dis, j'ai pas beaucoup de marque-pages vu que j'y porte pas beaucoup d'attention. Et là, il y avait des promos sur des lots entiers de marque-pages, donc je me suis dit, bon bah allez, au moins ça fera un stock. Oui, j'ai acheté beaucoup de marque-pages, effectivement. Donc je ne sais plus les noms, mais je vais vous les montrer. Ça, c'était genre les favoris d'automne, une tisane, des feuilles, de la tarte à la citrouille. Donc des deux côtés c'est pareil, et il y a une petite citation. Automne, saison des paysages teintés de couleurs chaudes, recouverts de coulis de caramel. Ça devait être un truc spécial Halloween, avec une petite citrouille, un petit chat, des fantômes. Là il y a une poire réveil, un petit hibou, et de la crème de marron. Le papier est un peu glacé, c'est super agréable au toucher. Oh mignonne cette petite citrouille là aussi. Faudrait, en fait c'est complètement con parce que ça refait le focus sur moi à chaque fois, je suis désolé, mais je vais essayer de rester comme ça. Là, cette maison de sorcière, elle me faisait vachement penser au terrier. Donc ça, je pense que c'était... Alors là, il devait y avoir un lot de 4 avec les trucs d'automne, les favoris d'automne. Ça, c'était la collection d'Halloween. Donc j'en ai pris qu'un seul, apparemment. Et il y avait une collection Harry Potter avec les différentes maisons d'Harry Potter. Donc en premier... Il y a Serre d'Aigle, donc là vous pouvez voir, c'est tout bleu avec l'aigle de Serre d'Aigle, des livres. Ça doit être Gryffondor avec Patenron, la coupe des trois sorciers, je crois, ouais, ou la coupe de feu, une bière au beurre, une citrouille. Chez Serpentard, on a des petites fioles de poison. Chez Serpentard, on a des petites fioles de poison, du verre. Ça, je sais pas ce quoi, une espèce de chandelier. Et chez Poufsouffle, il n'y a pas grand chose parce que. On sait rien de Poufsouffle, ils servent à rien. Oupsie. Non mais voilà, il est très très beau aussi, j'adore le jaune, donc vraiment c'est vraiment des super beaux marque-pages, les 4 là je les adore. Ensuite, j'avais pris un petit bloc-notes, parce que j'ai pas de bloc-notes en fait, j'ai des milliers de bloc-notes en fait, si je dis des bêtises, j'ai un tiroir à papeterie, j'ai des milliers de bloc-notes, mais je me suis dit, why not coconut. Je me rappelle pas en avoir commandé deux, et il y en a deux, enfin il y en a un qui est beaucoup plus petit que l'autre, peut-être qu'elle me l'a mis en plus. Parce que vraiment, j'ai aucun souvenir d'avoir commandé le deuxième. Mais bref. Donc voilà, c'est un petit bloc-notes tout simple. Avec un petit ours qui est en train de lire un journal. Très automnal, très beau. Et en plus, elle m'a mis ce bout de bloc-notes. Alors je pense que je ne l'ai pas payé. Avec un petit pâtissier boulanger trop mignon. Peut-être que je l'ai payé et que je ne me rappelle plus. Mais je ne pense pas parce qu'il est quand même beaucoup plus fin que l'autre. Et vous voyez, derrière, il n'y a pas de feuilles en carton comme ici. Vraiment en mode bloc-notes. Donc je pense que ça c'est un petit supplément. Et enfin dans cette enveloppe, je ne sais plus ce que j'ai commandé. Alors, nous avons d'abord, ça c'est sûr que je ne l'ai pas commandé, une petite tisane de chez Pouka, pommes sauvages et cannelle. Ça a l'air très 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 bon, parfait pour l'automne franchement. Là je vais me régaler. En plus je cherche des tisanes à la pomme en ce moment, parce qu'il y a souvent la pomme dans les tisanes mais on la sent pas. Et j'aimerais bien avoir une tisane à la pomme où on sent vraiment le goût de la pomme. Donc j'essaierai cette Pouka. Un petit mot, j'ai l'impression. Coucou Floris, un immense merci pour cette commande et tout ton soutien. Bonne journée cosy, Emma, le prince au petit pois. Trop mimes, c'est écrit à la main, donc vraiment c'est des commandes personnalisées. Une petite carte qui me rappelle qu'elle me remercie pour mon soutien avec ce petit gland. Non, je sais pas si c'est un gland, cette petite feuille d'automne. Ça pareil, ça doit être un petit truc en supplément.
une maison qui fait encore extrêmement penser au terrier. Ça, c'est parfait vraiment pour coller dans le bullet journal. Bon, là, on va rentrer dans l'hiver. C'est une commande qui est un peu plus automnale, mais bon. J'avais commandé des stickers. Là, un espèce de macchiato qui est super beau. Une mandragore en rapport avec Harry Potter, toujours. Une brique de jus d'orange. Je me rappelle même plus de ce que j'ai commandé, donc c'est vraiment la découverte. Elle est super belle. Les stickers sont un peu gros, par contre, mais bon. Tant mieux, hein, près d'un côté, mais... Et cette limace que je trouve adorable. Et une petite carte style carte de visite avec tous les détails de la boutique du Prince au Petit Pois qui est présente sur Instagram, sur Etsy, sur son site internet. Mais de toute manière, je vous répertorierai tout en barre d'infos. Et j'avais commandé des cartes que je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais que je trouve très jolies. Encore une fois, cette citrouille. Oula. Regardez-moi ce motif au fond là du petit, je sais pas c'est quoi, si c'est un ours ou une loutre, avec ce pull qui a l'air tellement confortable. Et il est en train de faire quoi? Il allume une bougie avec un bouquin, vraiment moi dans mes soirées d'hiver. Et oh là, la famille des cucurbitacées, elle est trop belle. Enfin, c'est pas des cucurbitacées d'ailleurs, c'est une poire, je sais pas trop ce que c'est. Et là, une citrouille, mais cette photo de famille en mode automne, je la trouve magnifique, trop belle. Et c'est marqué « Longue promenade d'automne en famille, 1er octobre ». Vraiment, je regrette pas du tout. Je vous dis, j'ai dû payer une trentaine d'euros. C'est pas excessif pour tout ce que j'ai eu. Et les petits bonus qu'elle m'a mis, vraiment, c'est adorable de sa part. Je regrette pas. Le problème, c'est que maintenant, je vais vouloir faire... Alors, je sais pas si elle fait que des collections automnales ou si elle fait des collections par saison. Parce que là, il y avait une collection Harry Potter, une collection sur les légumes d'automne. Bref, faut que je me renseigne. Mais si elle fait ça pour chaque saison, là j'ai déjà envie d'aller voir s'il n'y a pas une collection pour l'hiver, pour commander des trucs d'hiver, quoi. Bref. Voilà, je vous fais des bisous, et à bientôt. Mes aïeux. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas filmé pour ce vlog, pour la simple et bonne raison que je ne lisais pas. Donc si je ne lisais pas, je n'avais rien à vous dire. Je ne sais plus où on s'en est quitté. J'avais probablement commencé la plus secrète mémoire des hommes de Mohamed M. Bougassar aux éditions Philippe Ré, prix Goncourt 2021. Je suis toujours dans ce roman. J'en suis à la moitié, page 210-20 sur 450. Donc vraiment plus ou moins la moitié. Et vraiment, regardez le nombre de post-it que je mets. Et encore, je me retiens parce que je pourrais en mettre partout. J'adore. Vraiment, je passe un excellent moment de lecture avec ce roman. Je suis presque persuadé que ça va être un de mes coups de cœur 2021. Je vois mal comment à cette étape du roman, à la moitié, qui pour moi est déjà majestueuse, je pourrais être déçu par l'autre moitié. Sauf que je le lis très lentement parce que ça m'arrive très peu. Là, je savoure vraiment dans le sens où, une fois que j'ai lu 20 pages ou 30 pages, je suis repu de ma lecture. Et non pas repu dans le sens où je suis... il me reste sur l'estomac, mais repu où j'ai eu ma dose de mots, j'ai eu ma dose d'histoire, de sujets abordés et tout, et du coup j'ai pas besoin de plus, vraiment ça me suffit et je préfère me garder la suite pour plus tard. C'est quelque chose que je n'expérimente pas souvent avec les romans ou la lecture. En général, je suis plutôt dans le genre boulimique où j'avale du mot, des phrases et tout, et là j'y arrive pas parce que bah j'ai besoin de digérer ce que je lis. J'ai besoin de pas m'aérer l'esprit, mais vraiment ouais, de me reposer. C'est une lecture aussi à la fois éprouvante. Je sais plus si je vous avais fait le résumé ou pas. En fait, dans le roman, on va suivre Diegan en 2018 à Paris, qui sort son premier roman. Diegan, c'est un auteur sénégalais donc qui habite en France et qui écrit son roman. Et très vite, il va se rendre compte que bah, c'est pas simple d'être édité. Alors, il arrive à être édité, mais je crois dans une maison d'édition un peu intimiste. Et en fait, les critiques vont souligner surtout le fait qu'il est jeune et africain, et pas tant son roman. On va plus parler de lui de par ses origines et l'auteur qu'il est que par son roman. Donc il y a toute cette critique du monde littéraire, cette critique de l'hypocrisie littéraire, que ce soit du côté des chroniqueurs, des journalistes, ou aussi des maisons d'édition, des académies qui rendent le prix, c'est ça. Et c'est pour ça que je trouve ce roman très drôle et très intelligent, parce qu'il critique un peu les prix littéraires, que ce soit les Goncourt, etc. Et il a obtenu le concours. Donc ça m'a fait rire quand j'ai passé ce passage-là. Dans cette première partie, il nous raconte sa rencontre avec un roman qui s'appelle Le Labyrinthe de l'Inhumain, qui est un roman écrit par un auteur sénégalais également, publié il y a une cinquantaine d'années, qui a eu un petit succès, en tout cas qui a beaucoup fait parler de lui quand il est sorti en France. Et après, l'auteur a disparu, le roman a disparu, il n'a plus jamais été édité. Et lui, il tombe sur ce roman et il a envie d'en savoir plus sur l'auteur parce que c'est vraiment un roman pilier dans son
parcours de lecteur et d'auteur. Et du coup, on rentre un peu dans une espèce d'enquête à remonter le temps pour savoir qui était cet auteur du labyrinthe de l'inhumain. Et à côté de ça, il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs modes de narration. Le roman est vraiment segmenté en plusieurs parties qui sont elles-mêmes segmentées en sous-parties qui font que les voix s'alternent, que les paroles s'enchaînent, mais que les paroles s'enchaînent et qu'elles sont différentes les unes des autres, les façons de parler, le vocabulaire utilisé, enfin vraiment, à chaque fois il y a du renouveau dans la plume et dans les fonds, dans les thèmes traités. Ça fait réfléchir beaucoup sur, par exemple, cette hypocrisie du monde littéraire, sur la place qu'on donne aux auteurs africains, aux auteurs étrangers, pas seulement africains d'ailleurs, mais la place et l'importance qu'on donne à l'auteur par rapport à l'œuvre. Enfin, voilà, je passe un excellent, excellent moment, je pourrais en parler beaucoup plus. Donc je vais continuer ma lecture. Ce vlog ne durera pas une semaine, mais probablement deux semaines, parce que voilà, après ça, il faudra quand même que je lise Le Fils de l'Homme de Jean-Baptiste Delamo. C'est toujours prévu au programme. Ce vlog s'annonce assez épique en termes de lecture, parce qu'entre S'adapter, que j'avais beaucoup aimé, dans un registre totalement différent, que ce soit par le style ou par les sujets, je l'avais beaucoup beaucoup aimé. Là, celui-là, c'est sûr que ça va être une claque, mais vraiment, c'est même pas comparable à S'adapter ou à d'autres romans, je pense, que j'ai eu cette année. Et après, Le Fils de l'Homme, je sais pas, je suis un peu mitigé parce que j'ai eu des retours assez variables, mais bon, on va pas réfléchir au Fils de l'Homme, on va continuer la plus secrète mémoire des hommes, et voilà. Donc on se retrouve quand j'aurai avancé un peu plus, et en attendant je vous dis bisous, bisous, bisous. Je suppute que j'avais déjà ce suite dans les derniers plans, ils doivent dater d'il y a un ou deux jours. C'est le suite pyjama mou, très confo, très large, très difforme, que je mets en général pour traîner à la maison. Et vu que je ne vous prends pour filmer que quand c'est le matin ou le soir ou aujourd'hui, jour férié, on est le jeudi 11 novembre, je suis souvent en dégueulasse et j'adore vivre ma vie comme un dégueulasse. Donc voilà, aujourd'hui c'est le 11 novembre, il va être midi, j'ai passé ma matinée à ne strictement rien faire vraiment. Vous savez, c'est le genre de matinée où tu te lèves tranquille, tu sais pas quoi déjeuner, il y a un bout de fromage qui te donne envie dans le frigo, donc du coup tu manges un bout de fromage, tu vas te rasseoir, puis après tu te dis que tu voudrais bien boire un café, donc tu vas prendre ton café, puis tu trouves un bout de chocolat au lait qui traîne, donc tu manges un bout de chocolat au lait. Puis une heure après tu as envie de bonbons, du coup tu bouffes des bonbons, puis après tu rebouffes du chocolat. Puis en fait voilà, ce matin j'ai bouffé du fromage, des bonbons qui piquent, là genre des bouteilles Coca, et des boules Lindor. Des trucs qui n'ont rien à voir, dans n'importe quel sens. Mon estomac ne me dit pas merci, je pense, d'ailleurs. Mais c'est jeudi férié. Alors là, il est midi 15. Il est midi 15, je suis invité cet après-midi à boire le café chez une collègue. Mais j'aimerais bien le terminer avant de partir. Donc là, j'en suis à la page 390 sur 450. C'est pas impossible. Il me reste 60 pages, il faut vraiment que je me mette dedans. Mais en fait, j'ai du mal à le lire vite. Ça, je vous l'ai déjà dit mille fois. Et là, il y a peut-être un peu de ralentissement dans l'histoire, vraiment. Ce qui est un peu bizarre, parce que c'est vraiment la fin. Là, on est dans une narration qui décompte des jours. J-5, J-4, J-3, J-2... Enfin bref, ça décompte les jours à partir d'un jour. Ça décompte les jours à partir d'un J-5. Là, j'arrive au jour J, donc franchement, on n'a aucune idée vraiment de ce qui se passe ce jour-là. Enfin, on a une idée si... C'est trop compliqué de parler de ce livre. Et je suis pas du tout en mesure de le faire. J'ai l'impression de ne pas réussir à lui rendre justice et honneur. C'est affreux. C'est affreux. J'ai partagé un extrait sur Instagram, là, justement, de ce que critique un des personnages dans le roman. Et c'est ce que je disais avec l'une d'entre vous sur Instagram. On parlait parce qu'elle me demandait est-ce que le livre n'est pas trop pédant ou condescendant, étant donné que ça parle d'écriture, d'auteur, de milieu littéraire, tout ça. Et je lui dis que pour moi, non, ça paraît pas condescendant, mais qu'on est toujours dans cette narration où on sait pas vraiment le... On est toujours dans un récit où on sait pas vraiment le degré d'implication de l'auteur dans les mots qu'il prête à ses personnages. Et même, on sait pas le degré d'implication de l'auteur dans ses personnages, parce que on est dans un roman avec un jeune auteur africain, comme Mohamed Mbougarsa, qui part à la recherche d'un autre auteur africain, et qui rencontre d'autres auteurs sur sa route. Enfin, il y a beaucoup de...
de personnes du milieu littéraire. Il y a des éditeurs, il y a des écrivains, il y a des intellectuels, des poètes, etc. Et donc, du coup, ça donne lieu à des mille discussions sur la littérature, mille discussions sur l'édition, etc. Et on ne sait pas vraiment ce que pense notre auteur, nous, celui qui a écrit ce roman-là. Donc voilà. Mais c'est, du coup, c'est pour ça que je ne trouve pas que ce soit pédant ou condescendant, parce que bah, c'est toujours contredit parfois par un autre personnage dans le roman. Et puis, il y a quand même cette petite histoire intrigante, cette petite enquête qui, je trouve, là, un peu, qui s'est pas essoufflé, mais qui a ralenti sur la fin. Mais par contre, de bout en bout, on va être vraiment dans cette narration à 15 000 fils. En fait, vous voyez, il y a genre 15 fils qui se regroupent dans une grosse pelote et qui repartent après dans 15 directions. On est vraiment sur un nœud, et le roman, c'est la totalité. Parce que des fois, on peut, pendant plusieurs pages ou chapitres, suivre un fil et après se retrouver emmêlé dans cette pelote de personnages, d'histoires, de temporalités différentes, et ressortir de l'autre côté sur un autre fil tendu qui n'est pas du tout celui par lequel on est arrivé. Enfin, vraiment, voilà. Et pour autant, malgré toutes ces imbrications, ces tissages, ces nouages dans l'histoire, je dois dire que je ne me perds jamais. Je sais toujours qui prend la parole, à quel moment on se trouve, alors que pourtant, il y a des je vous dis, au moins une dizaine de lieux, d'endroits, de temporalité, mais c'est fait d'une façon très très claire, c'est ça qui est fou, qu'il ne s'y perde pas lui-même et qu'il ne nous perde pas nous, lecteurs. Donc bon, là voilà, il me reste 60 pages, il est midi 20, je dois partir à 14h de chez moi, c'est largement faisable, à savoir qu'il faut quand même que je prenne une douche, je vais pas faire l'affront à ma collègue bien gentille de m'inviter à boire le café, d'y aller comme ça. J'essaye de le terminer, je vous reprends quand je l'aurai fini, j'aurai plus grand chose à vous dire, je vous parlerai juste de la fin, hein, fait, du coup, parce que là, j'ai déjà, à mon avis, parlé beaucoup dessus. Et normalement, après, j'attaquerai le Fils de l'Homme, mais je pense que ça sera pas pour cet après-midi. Il est donc 13h05, et je suis venu à bout du prix Goncourt 2021, La plus secrète mémoire des hommes. Alors, je disais qu'il y avait un petit essoufflement, là, au moment où je vous ai pris juste avant, donc je sais pas exactement où j'étais, page 390, je crois, 400, bref. Les toutes dernières pages, les 50 dernières pages, c'est un sprint final parce que on arrive au bout de... C'est pas une enquête en fait, c'est une quête. J'ai utilisé le mot enquête et là je me rends compte que le mot quête est bien plus approprié. C'est vraiment... Il y a toute une dimension mythique presque, pas épique, mais ouais, comme une prophétie qui doit s'accomplir. Et tout le long du roman, on est vraiment dans cette notion de prophétie, de quête mythique, etc. Et sur la fin, on peut plus lâcher le roman parce que vraiment, on touche au bout et il y a des choses qui se... En fait, oui, il y a des choses qui se déballent, qui se font, mais il n'y a pas vraiment non plus de dénouement. On n'est pas, vous voyez, dans une enquête typique. C'est pour ça que je dis plutôt le moquette plutôt qu'enquête, parce qu'on n'est pas dans dans un sprint final avec révélation sur révélation. Où, en fait, limite, on a toutes les clés en main dès le début pour comprendre un peu le roman, pas pour comprendre le roman, mais pour voir où est-ce qu'il nous emmène. Et dès le début, il y a aucune promesse de fait, de déroulement ou quoi que ce soit. Le contrat de lecture n'est pas du tout de lire quelque chose de bout en bout, d'avoir une histoire qui se développe pour se résoudre à la fin. C'est vraiment juste une histoire dans sa globalité, avec des milliers de petites histoires à l'intérieur. C'est vraiment un grand roman qui va me laisser un souvenir très fort. J'ai beaucoup de mal à en parler. Je pense que je vais essayer d'écrire quelque chose dessus. J'écris pas toujours une chronique sur tous les romans que je lis parce que je ne publie pas tout sur Instagram en fonction de mon degré de flemme ou d'envie par rapport au roman. Parfois, un roman que j'ai pas aimé, j'en parle. Parfois, je préfère même pas en parler. Et pareil pour les romans que j'ai bien aimé. Il y en a, j'ai bien aimé, mais j'ai pas vraiment non plus grand chose à dire dessus, à part 2-3 banalités que je peux dire en vidéo, mais qui, selon moi, ne valent pas le coup d'être couché sur du papier. Là, j'ai envie d'écrire quelque chose dessus, quelques mots, qui ne lui rendront probablement pas honneur, qui ne seront pas à la hauteur des mots employés par l'auteur, mais quand même, voilà, j'ai envie de m'y essayer. Et je me sens con parce que j'ai vraiment l'impression de pas réussir à dire tout ce que j'ai à dire sur ce roman, de pas réussir à mettre des mots, et c'est parce que je suis moins bon que Monsieur M. Bougarsa. C'est sûr que du coup je vais acheter un de ses précédents romans. J'ai pas regardé combien il en avait écrit, attendez, c'est peut-être marqué quelque part. Il a déjà écrit 3 romans, De Purs Hommes, qui est publié chez Philippe Ray et Olive de Poche, et 2 romans chez la maison d'édition Présence Africaine, qui s'appellent Silence du Cœur et Terre Sainte. Alors moi je vais lire en premier lieu De Purs Hommes,
qui traite de l'homosexualité en Afrique, et les deux autres, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, donc je verrai pour peut-être me les procurer un jour ou l'autre. J'ai lu là les deux derniers concours, ouais, je ne le lis pas tous les ans, hein. Il y a beaucoup de concours que je n'ai pas lus, des concours que j'ai abandonnés, je pense notamment à Welbeck qui n'est vraiment pas ma tasse de thé. Welbeck, j'ai dû commencer peut-être tous ses romans et n'en terminer aucun. Je crois qu'il avait eu le concours pour La carte et le territoire, et je suis pas sûr d'être allé au bout. L'anomalie, j'avais bien aimé, j'en ai parlé je crois sur la chaîne, j'avais plutôt bien aimé, mais c'était pas non plus extraordinaire. L'anomalie, c'était très sympa, après c'est pas du tout dans le même registre. Et par contre, le concours précédent, qui devait être Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu, quelque chose comme ça, j'avais pas du tout aimé. Je l'avais lu, je m'étais fait royalement chier du début à la fin. Et donc ouais, quand même dans L'anomalie et dans Leurs enfants après eux, j'ai envie de dire, on sent presque la plume Goncourt, le style Goncourt, le livre Goncourt. Vous voyez, c'est pas un livre qui est écrit pour avoir un prix, mais il y a quelque chose qui fait que quand on le lit, on peut peut-être comprendre qu'il y a un Goncourt derrière ou quoi, enfin qu'il y a petite machination d'écrivain, enfin d'éditeur surtout. Alors que là, pas du tout, vraiment, on est dans un roman qui est tellement singulier, dans une histoire qui l'est tout autant, dans des propos engagés tellement forts, parfois clivants, que c'est pas lisse, c'est pas aseptisé, c'est pas non plus ennuyant, c'est pas pédant ou condescendant, enfin c'est... voilà. Bref, j'ai lu le Goncourt, j'ai beaucoup aimé et je n'arrive pas à en parler. On pourra peut-être presque appeler la vidéo comme ça. Non, parce que, après, vous voyez, j'ai beaucoup aimé s'adapter juste avant, mais c'est pas du tout à la hauteur, enfin, c'est pas que c'est pas à la hauteur de ce roman, mais mon coup de cœur est complètement différent. Complètement différent, je ne saurais pas le dire précisément pourquoi. J'y arriverai pas. Bref, je pense que je vais pas du tout, en fait, attaquer tout de suite Le Fils de l'Homme après cette lecture. Enfin, tout de suite, je veux dire, pas maintenant, mais genre, je vais pas enchaîner avec Le Fils de l'Homme. Je vais essayer de lire autre chose, peut-être un truc un peu court qui va me permettre vraiment de partir ailleurs pour me laver le cerveau, me dépayser et peut-être réussir à me faire quitter cette lecture que je traîne. Alors, j'ai pas noté depuis quand. Je le verrai probablement au montage si j'ai dit la date à laquelle je l'ai commencé, j'en suis pas sûr. Mais je l'ai traîné un bout de temps, facilement une semaine, ce qui m'arrive très 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 rarement. Et ça va être dur d'en sortir, voilà. Toujours est-il que quand je commencerai Le Fils de l'Homme, je reprendrai ce vlog. J'ai pas envie non plus que le vlog dure sur 3 semaines, même si au montage ça fait pas grand. Enfin, après au montage ça change rien parce que pour vous les jours s'enchaînent. Allez, je vais prendre ma douche et je vais aller prendre le café avec ma collègue. Il fait super froid, je pense. Il est 13h, le brouillard vient seulement de se lever dans la ville. En plus, j'habite en pleine ville et il y a eu du brouillard jusqu'au moins midi. Donc, à mon avis, il fait froid. Voilà. Oh bah, il y a ma mère qui m'appelle. Je vais décrocher à ma mamounette. Allez, coucou maman. Vous êtes décidément beaucoup trop bas pour ce plan. Toujours pas. C'est pas comme si j'avais 4 trépieds que je pouvais sortir. Ma foi, tant pis. En fait, je voulais me mettre là pour qu'on voit un peu le sapin de Noël. Parce que j'adore les sapins de Noël. Mais il faut que je mette des trucs en bas pour cacher. J'ai pas eu mes premiers cadeaux encore. J'avance tranquillement dans ma LC de la Cité de Feu, là, pour le cabinet de lecture, mais je lis pas. Je lis pas papa, je fais plein d'autres choses parce que je suis très occupé en ce moment. Que voilà, il va falloir que je m'active. Et donc du coup, je vais lire ça, là, vu qu'on est dimanche matin, qu'il est 9h30. Je vais essayer de lire, enfin de commencer Le Fils de l'Homme. Il fait que 230 pages, donc comparé au Goncourt, ça devrait aller plus vite. Ma foi, je vais le commencer et je vous reprends dès que j'ai un peu avancé. Je viens de lire à peu près 50 pages, je crois. Je pense pouvoir aisément dire que Le Fils de l'Homme et moi, ça va pas très bien se passer. Non pas que ce soit mauvais. Alors en fait, on va être avec un homme qui ressurgit dans la vie de sa femme, son ex-femme, on sait pas trop, et de son fils,
6 ans après les avoir quittés. En gros, il est parti, de ce que j'ai compris, et 6 ans après, il revient, et il les emmène en voiture au fin fond de la montagne, dans un chalet, genre, totalement atroce. Et voilà où j'en suis à peu près pour l'instant. C'est vraiment le postulat de départ, et c'est ce qu'on nous dit dans la quatrième, hein, je crois, voilà. Après plusieurs années d'absence, un homme ressurgit dans la vie de sa compagne et de leur fils. Il les entraîne aux Roches, une vieille maison isolée dans la montagne. Alors déjà, au début, on a un espèce de prologue de 10 pages où on suit des hommes des cavernes, enfin je sais pas si c'est des homo sapiens, homo erectus, homo je sais pas quoi, mais des hommes de cavernes qui partent à la chasse. Donc on a une scène de pêche et une scène de chasse, on est vraiment dans le mythe des cueilleurs-chasseurs, voilà. Des hommes, un père et deux fils je crois, qui vont pêcher du saumon et après qui tuent une chèvre ou un cerf, je sais même plus, enfin ça m'a pas vraiment marqué. Et ça dure pendant 10 pages, je ne sais absolument pas... ce que ça vient foutre là, enfin si, j'ai une petite idée dans le sens où je me dis, on est dans une scène père-fils, un peu triviale, vous voyez des hommes des cavernes qui vont à la chasse, etc. Et on est dans un récit vraiment d'ambiance assez sombre encore, hein, avec le père et le fils et la mère, etc. Donc je pense que ça contribue à nous faire rentrer dans cette ambiance un peu sombrette. Mais bon, ça m'a laissé assez penaud parce que c'est très froid en fait. L'écriture est très froide et c'est pour ça que j'aime pas spécialement pour l'instant ce que j'ai lu. On est dans un récit où on ne connaît pas le prénom du garçon, le prénom du père et de la mère, ce qui participe à cette ambiance de froideur et cette chape de plomb sur le récit. Qu'est-ce qu'il y a qui me gêne? Bah ouais, voilà, c'est ça. En fait, on est vraiment dans un récit d'ambiance où je pense qu'il va se passer rien, voire pas grand-chose jusqu'à la fin. C'est vraiment on sent le récit où on nous installe des scènes qui sont là pour nous un peu glacer le sang ou nous donner froid dans le dos. Genre, il y a une scène du père qui mange une cuisse de poulet et on nous décrit comment la cuisse de poulet dégouline un peu sur ses lèvres, comment la chair du poulet, la graisse coule, etc. C'est vraiment, je pense que ça va être ça jusqu'à un certain point pour faire monter la tension et que ça explose. Mais je suis pas... En fait, des fois ça fonctionne ce genre de récit et des fois non. Et là, j'ai l'impression que ça va pas le faire. Je me trompe peut-être, je vais voir, je vais avancer parce que je peux pas me prononcer sur 50 pages. Mais j'ai un problème avec cette plume et cette façon de raconter l'histoire. Et peur que ça mène pas bien loin, que ce soit juste un peu un exercice de style, quoi. Pour le coup, je suis même très étonné que ça ait obtenu le prix Fnac, qui d'habitude je le trouve beaucoup plus, pas grand public, mais beaucoup plus facile d'accès. Sans pour autant négliger le côté qualitatif. Par exemple, Betty, moi j'avais bien aimé. J'avais beaucoup aimé Betty. C'était un gros roman dans le sens où il faisait je sais plus combien de pages. Mais c'était assez accessible sans pour autant voilà, mettre de côté l'histoire. Ça a avancé, c'était très beau, il y avait des instants de poésie. Et là, ouais, je suis pas fan. Puis en plus, c'est vrai que bah, ouais, j'ai fait quelques plans où j'ai mis mon sapin et tout. Je suis un peu dans une ambiance Noël, etc. Et alors là, c'est vraiment, genre, à mon avis, le truc qui te casse le moral parce que je vois venir à 300 à l'heure qu'il va y avoir un drame. Peut-être pas un drame, mais que c'est vraiment pas la famille parfaite. C'est pas le père, la mère et le fils qui vivent leur meilleure vie et qui jouent à des jeux Montessori tous les trois ensemble. Hein. Je pense qu'il va y avoir un petit truc un peu louche entre ces trois protagonistes. Bref, ça sert à rien d'extrapoler pendant 15 ans, mais c'est mon ressenti là, à 50 pages, je pense que je ne vais pas apprécier ma lecture. Mais c'est pas grave. En tout cas, on est dimanche, j'allais dire comme vous pouvez le voir, mais non, parce que je vous ai fait l'affront d'être en pyjama dans chaque morceau de vlog, je pense que ça va être un vlog pyjama. Et je vais aller au marché, parce que c'est le marché le dimanche, et j'ai une envie de butternut farci aux chèvres et au chorizo. Donc du coup, je vais aller acheter du butternut. Je vais aller acheter du chèvre chez le fromager et bah je crois qu'il y a, oui, il y a un boucher sur le marché, donc je vais pouvoir lui acheter des morceaux de chorizo aussi, frais, ce qui sera d'autant plus meilleur. Je coupe mon butternut en deux, je le fais cuire un peu à la vapeur et ensuite je le mets sur une plaque au four, je mets les morceaux de chèvre, les morceaux de chorizo, un peu de crème ou là je dois avoir du lait de coco qui traîne, du lait de coco, c'est assez épais et j'enfourne ça et après je déguste et c'est délicieux. Un coup sur deux, j'ai la flemme d'éplucher le butternut donc je ne l'épluche pas et puis bah je mange dans la coque, dans la peau, mais c'est pas une coque du tout. Voilà, j'ai un peu le nez pris, je crois que déjà sur d'autres plans j'avais le nez pris, je suis pas spécialement malade, mais j'ai très souvent le matin en tout cas, le nez bouché, qui se débouche au bout d'une heure ou une demi-heure, ou ça dépend, c'est variable,
Mais j'ai souvent le nez bouché le matin, ce qui fait que, genre, j'ai parlé, je sais plus quand, sur Insta de Mohamed Mbougarsar, j'avais fait des stories et j'avais le nez pris au moment où j'ai fait les stories. Et on m'a dit, ah, t'as l'air super ému par ta lecture et tout. Non, non, j'ai juste un nez chelou qui se bouche et qui se débouche comme ça. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie. Je vous fais profiter encore une fois de ce plan que j'adore. Là, en plus, j'ai mis une petite vidéo d'ambiance. J'étais jusque-là dans les ambiances un peu sur YouTube, vous savez, ces vidéos mood, etc., où il y a une petite musique. Moi, j'aime bien quand c'est du jazz. J'avais mis jusque-là toujours des trucs très automnal, un peu en mode feu de camp, cabane dans la forêt avec un bruit de pluie et tout. Mais là, ça y est, hein, c'est passé. Je suis passé sur les vidéos de Naël avec un petit sapin et tout. Et puis, bah, c'est super mime. Et puis là, je vous fais un plan très très beau. Ouais, j'arrête de raconter ma vie. J'ai presque terminé Le Fils de l'homme de Jean-Baptiste Delameau et j'aime pas. J'aime pas en fait le style, j'aime pas les scènes que l'auteur écrit. Enfin, en gros, l'auteur écrit des scènes très sexualisantes tout en sous-texte en fait. Il n'y a pas vraiment aucune scène dérangeante sur ce point-là. Enfin, je veux dire, c'est assez compliqué à dire, mais ouais, il y a quand même comme un arrière-goût sexuel derrière chaque scène écrite dans les descriptions du corps du père, les descriptions du corps de la mère et du fils. Il y a toujours cette tension un peu malsaine entre les trois, où on sent qu'on est vraiment sur le bord du précipice, qu'à n'importe quel moment, ça peut chuter, ça peut tout peut partir en vrille pour un rien. Et à chaque fois, il y a cette tension qui se crée, qui se crée, qui se crée, et ça n'explose pas. Pour l'instant, bon, en tout cas, ça n'a pas explosé. On m'a dit que le dernier tiers était impossible à lâcher. Pour l'instant, pas encore, mais on sent. Et en fait, il crée toujours des situations un peu borderline, des situations qui te mettent forcément mal à l'aise. Sans qu'il ne se passe rien, sans qu'il n'y ait rien qui soit dit, ça te met mal à l'aise. Et c'est pour ça que j'aime pas, parce que j'aime pas forcément être mal à l'aise. Enfin, je veux dire, quand le procédé est utilisé une fois dans le roman, ça passe. Deux fois, ça passe. Trois fois, mais pas 15. Et c'est, en fait, j'ai l'impression que le roman n'est construit que là-dessus, que sur ces situations qui sont là pour titiller le lecteur, pour le mettre dans une position pas cool, un peu ambiguë, ambivalente entre les relations entre les personnages, enfin que les relations entre les personnages soient toujours un peu malsaines, ouais, c'est ça. Et qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Il se passe presque rien, même pour ainsi dire, c'est assez chiant au niveau de l'histoire et de l'intrigue, parce qu'on est un peu sur les deux temporalités. Hein. Donc, le temps présent dans cette petite cabane au fin fond de la montagne avec les trois protagonistes, et le temps passé quand le père n'était pas là, donc quand le fils était tout seul avec la mère, et le moment où le fils est revenu dans la vie de la famille. On est donc même en gros sur trois temporalités. Mais sinon, il ne se passe rien, on nous raconte des scènes très banales de la vie quotidienne, comme je vous le disais. Et enfin, banal, oui et non, parce que voilà, il y a des scènes, par exemple dans la campagne, il y a des scènes de chasse, vous voyez, et ça me fait penser à la vraie vie d'Adeline Dieudonné, mais dans la vraie vie, c'était beaucoup plus condensé, j'ai trouvé, et c'était moins répétitif, et on avait quand même un peu plus d'attachement aux deux personnages, le frère et la sœur, les deux enfants, parce que ben voilà, c'était des enfants qui parlaient entre eux, qui vivaient, qui permettait de sortir un peu de ce contexte malsain. Je suis désolé pour cette lumière qui est plus ou moins affreuse, même très affreuse. Alors que là, on est vraiment tout le temps sous cette chape de plomb dégueulasse et qui permet pas de. Enfin, il n'y a rien qui nous permet de sortir et de prendre l'air. Je n'adhère pas du tout à ce procédé d'écriture et à cette façon d'écrire, mais je vais aller au bout. Je vais aller au bout parce que là, il ne me reste plus que 60 pages, je vous ai dit. Et néanmoins, ça se lit très, 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 très vite. Après, il y a aussi le fait qu'en temps normal, je lis déjà vite et que là. J'avoue que je saute quelques passages, parfois quelques descriptions, parce que je vous dis, c'est à peu près tout le temps la même chose qui est en boucle. Et les passages qui sont écrits juste pour te foutre enfin, c'est même pas te foutre la frousse, mais pour te faire poser des questions ou en tout cas, ouais, te gêner, tu vois, ça te gratte dans le dos, j'aime pas trop, quoi. Et ben, ce truc-là, ça me fait chier. Donc voilà, je vais le finir ce soir. Et une fois que j'aurai terminé, je vous dirai brièvement. Ce que j'en ai pensé, et je clôturerai le vlog demain parce que là, la lumière est vraiment dégueulasse. Elle ne sera pas beaucoup mieux tout à l'heure, et donc je clôturerai le vlog demain matin en me réveillant. Enfin, non, pas en me réveillant parce que j'ai un rendez-vous à 9h dans la matinée. On s'en fout. Et sinon, ça n'a rien à voir, mais vu que c'est un vlog, je raconte aussi un peu ma vie. Je pense que le vlog va faire vraiment 3 quarts d'heure, voire 1 heure, et ça me fait chier, je déteste les vidéos d'une heure. Sinon, j'ai un ami, donc là, je sais plus si j'en ai parlé dans le vlog, un ami qui est parti pendant 2 mois. Retrouver sa famille qui n'habite pas en France
Et du coup, je garde sa chatte, parce qu'il a une petite chatte. Une petite chatte. Une vieille mamie de 10 ans. Et bon, après, mon pote a son appart qui est pas très très loin de chez moi. J'aurais pu y aller tous les jours, m'occuper du chat, mais bon, là, je suis pas mal à l'appart. Et la chatte, c'est quand même mieux qu'elle ait une présence. Plutôt que j'aille la voir une fois par jour pendant 2 mois. En plus, moi, ça me ferait chier d'aller jusque chez lui, même si c'est pas très loin. Donc voilà, je l'ai prise chez moi. On va faire un essai. Là, mon pote, en fait, revient dans 2 semaines avant de repartir. Donc là, je la garde déjà 2 semaines. Il revient très peu de temps. Si ça se passe très bien pendant ces 2 semaines-là, je la garde durant les 2 mois. Si c'est compliqué, on la remettra chez elle et je ferai le trajet tous les jours. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Mais du coup, là, elle est chez moi depuis 16 heures. Et je ne l'ai pas beaucoup vue, la petite mère. Alors, on se connaît très bien. Hein, je la vois très souvent. Mais bon, voilà, elle n'est pas chez elle, elle ne connaît pas l'appart, elle ne connaît pas les bruits, elle ne connaît pas les petits recoins. Et du coup, bah, elle reste pas mal cachée. Je lui ai fait faire plusieurs fois le tour de l'appart. Toutes les fois où elle est sortie, je l'ai accompagnée faire le tour de l'appart, lui montrer ses croquettes, la litière, etc. Ça devient un reportage animalier, ce vlog. Mais bon, j'essaierai de vous la montrer dans une vidéo ou à un moment, quand est-ce que, si elle sort et elle pointe le bout de son nez. Elle s'appelle Lys, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais là, je la laisse faire sa vie. Je lui ai aménagé plein de petits coins partout dans l'appart où j'ai mis des coussins, des plaids, des petits coins un peu, voilà. Où elle peut être tranquille, sans s'occuper de moi, en attendant qu'elle s'habitue à cette nouvelle colocation. Donc voilà. Ouais. Je termine d'amour. En fait, là, je vous raconte ça parce que j'ai pas vraiment envie. Je pense pas, enfin, en tout cas, j'espère pas, être arrivé au moment où on me dit le roman, on peut plus le lâcher parce que là, concrètement, je m'en fous. Mais rien n'empêche, regardez. J'ai mis un petit post-it, il y avait un passage qui était très beau. Je vais terminer ce bouquin. Jusqu'au bout, je n'ai pas aimé. Pour vous dire, en fait, à la dernière page, donc je crois que c'est 238 pages, genre, j'ai tourné la page en mode, il manque quelque chose, là. Elle est où, la fin? Vraiment, j'ai pas du tout aimé la fin. C'est une fin ouverte sans lettres, parce qu'on devine facilement ce qui se passe. Mais en fait, il n'y a rien qui est vraiment résolu. Alors, c'est pas inintéressant comme livre, pas du tout. C'est juste, je pense, un goût personnel qui, avec moi, ne l'a pas du tout fait. Trop poisseux, etc., comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin, je vais pas revenir là-dessus. Trop invraisemblable aussi, je pense. En fait, cette histoire ne me paraît pas crédible. Du début à la fin, elle ne me semble pas du tout crédible. Alors effectivement, les 50 dernières pages, on les voit pas défiler. Juste avant que je parle tout à l'heure, enfin juste après, j'ai bouffé les pages, hein, vraiment ça défile très vite. Mais alors cette fin est, selon moi, je vais pas dire à chier parce que ça serait un jugement de valeur, mais ne me sied absolument pas. Et ouais, non, bref. Dommage. Franchement, je suis un peu déçu parce que en général, j'aime beaucoup les prix Fnac, comme quoi. On peut pas tout avoir, mais je suis sûr que ça va plaire à certaines personnes. Après, il y a quand même un thème qui me plaît, en fait. On comprend un peu maintenant, enfin, après avoir lu le livre, le prologue, il est pas non plus où je vous parlais, vous savez. Le prologue que je vous disais au début, là, qui fait parler, enfin, qui fait pas parler, mais qui raconte la vie de chasseur-cueilleur Homo sapiens, ça prend son sens, après, avec cette famille un peu recluse dans la montagne, enfin, puis on comprend 2-3 trucs. Je peux pas m'empêcher de faire un parallèle un peu spécial que je trouve un peu moyen, parce qu'en fait, la famille qu'on voit dans le roman est une famille assez pauvre, d'une classe sociale assez populaire. Ben alors, ma chérie, te voilà. Il y a le chat que je garde qui fait son petit tour, qui fouille. À mon avis, elle cherche son maître. Donc, c'est une famille qui fait partie d'une classe sociale assez populaire, assez pauvre, je pense. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de petit parallèle entre un côté sauvage dans cette... Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas non plus pédant dans le sens où on est avec Jean-Baptiste Delamau qui aurait la connaissance et qui parle de ces classes populaires. Mais, ouais, on dirait que... On les compare peut-être à des sauvages ou à ces hommes qui ne faisaient que chasser, manger et coucher ensemble, quoi, les Homo sapiens, enfin, qui se reproduisaient plutôt même. Donc voilà, une lecture en plus qu'en demi-teinte. Vraiment, je suis content de l'avoir lu parce que je vous dis, c'est quand même assez intéressant sur certains points, mais j'ai pas du tout adhéré au style, j'ai pas du tout aimé la fin, j'ai pas aimé le milieu ni le début, donc voilà. C'est marrant parce que c'est le genre de lecture que... je garderai un souvenir, ça c'est sûr. Il y a plein de lectures que j'aime pas ou que j'aime dont j'oublie totalement toute l'histoire. Là, c'est sûr qu'elle va me rester en tête. Elle va pas me rester en tête parce que je l'ai détestée, elle va me rester en tête parce que elle a soulevé plein de trucs qui m'ont fait
me poser des questions. Enfin, c'est une lecture qui m'a fait réfléchir malgré tout et qui en plus m'a intrigué, m'a fait ressentir des émotions. Donc sur ce point-là, je peux pas dire que c'est mauvais. Je peux pas dire que c'est mauvais parce que même si ça m'a pas plu, même si c'est pas ce que je recherche dans la lecture, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a remué et c'est aussi ce que je cherche en littérature. Même si je n'aime pas un roman, j'aime bien vivre quelque chose, que ce soit une expérience, que je ressente des trucs. Désolé, je cherche le chat, je sais pas où il est passé. Que je ressente des trucs, que je vibre un minimum, même si c'est pas forcément pour les bonnes raisons, et ça s'est passé avec ce roman. Donc c'est pas non plus une lecture inutile, je veux dire, c'est pas une perte de temps. Voilà, donc en fait je pense que je vais clôturer là le vlog ce soir, tant pis. En plus il y a une belle vue sur le sapin. C'était chouette de lire ces trois romans, alors je les ai pas du tout sous ma main, ils sont dans la chambre, mais donc S'adapter, La plus secrète mémoire des hommes et Le fils de l'homme. C'est vraiment marrant parce que c'était trois lectures aux antipodes. Quoique, ah oui, c'est ça que je voulais dire. En fait, Le fils de l'homme, ça m'a fait grave penser à un film de la sélection à Cannes. Vous voyez un peu le genre de film d'auteur, un peu chiant, où il se passe pas grand chose, où la fin n'a pas forcément d'intérêt. Souvent dans ces films-là, c'est pas pour la fin qu'on le regarde, ou en tout cas, la fin est toujours un peu what the fuck, ou. Enfin, vraiment, voilà. L'image était belle. L'image du roman, tout ce qui se passe niveau visuel, c'est beau. Enfin, c'est beau. Moi, dans la façon que je me l'imagine, c'est beau et ça, à mon avis, à l'écran, ça en jetterait, vous voyez. Typiquement, je pense que si un réalisateur de film un peu perché, un peu élitiste, machin, se penche là-dessus, il pourrait faire un super beau truc. Mais moi, c'est pas ce que je recherche. Voilà, donc c'était trois lectures qui étaient sensiblement différentes. Deux qui se passent plus ou moins dans la montagne, hein, dans le même cadre, que ce soit S'adapter et Le fils de l'homme. Alors, dans S'adapter, c'est complètement différent et j'ai été beaucoup plus sensible à la poésie et au style de l'autrice que dans Le fils de l'homme. Le fils de l'homme, ça m'a fait un peu penser à Résine de Anna Viel. Je sais plus le nom de l'autrice, mais c'est quelque chose en Viel. Je crois que j'avais lu en début d'année, où on était aussi dans cette espèce de famille un peu recluse, totalement dysfonctionnelle. Mais par exemple, pareil, dans Résine, je sais plus, tout à l'heure, j'avais fait une autre comparaison avec un autre roman, avec La vraie vie d'Aline Dieudonné, voilà. On est un peu dans cette veine-là, hein, en termes d'ambiance, en termes d'histoire. Mais dans Résine et La vraie vie, on est avec des enfants qui ont vraiment une âme, qui ont une essence et qui ont plus de sensibilité et qui permet au lecteur de respirer un peu. Et Résine, voilà. Après Résine, c'est plus vraiment là du thriller, hein, je pense, parce que la scène de fin est bien plus haletante, bien plus rebondissante. Là, on n'est pas vraiment dans du thriller, on est dans la collection régulière de chez Gallimard, collection blanche, donc vous voyez, tout ce qu'il y a de plus contemporain en termes d'écriture et de littérature. Donc c'était sympa, j'ai bien aimé ce vlog, je pense qu'il a duré très très longtemps, je vais voir, je vais m'arracher les cheveux au montage. Je n'ai pas fini ma lecture des prix littéraires de l'année parce que j'ai prévu de lire Mahmoud ou La montée des eaux d'Antoine Waters, je sais pas, aux éditions, quelle édition? C'est une petite maison d'édition dont j'ai oublié le nom, aux éditions Verdier, qui a obtenu le prix Vepler, qui est le prix remis par la librairie Vepler, je crois, et c'est également maintenant le prix Fondation de La Poste, ou un truc comme ça. C'est un prix que vous avez été plusieurs à me conseiller, je me demande si c'est pas un jury populaire, je pense, je sais plus exactement, mais c'est un prix qui est créé depuis plusieurs années, et qui apparemment a des plutôt bons retours en termes de bouquins sélectionnés, je ne connaissais pas du tout. Donc je vais m'y intéresser avec ce Mahmoud ou La montée des eaux qui se passe en Syrie et je n'ai plus aucune idée du résumé. Je l'ai commandé sur la Fnac hier soir en rentrant de soirée et en fait ouais, j'ai juste vu Privé plaire. C'est parce que je cherchais Deux purs hommes de Mohamed M. Bougarsar qui est son précédent roman mais qui n'a pas eu de prix littéraire. Donc je vais lire, pardon, ce Privé plaire et il est possible que je lise le Amélie Nothomb dans les semaines, mois à venir, donc je sais plus le nom. Celui sur son père. Le dernier Nothomb qui est sorti en septembre, qui a eu le Renaudot, mais ça sera si je le trouve à la médiathèque, parce qu'il est hors de question que j'achète. C'est pas hors de question que j'achète un roman d'Amélie Nothomb, mais j'ai été beaucoup trop déçu par sa plume et son écriture dernièrement, que j'ai pas envie de mettre 20 balles, en plus qu'il va sortir en poche l'année prochaine, donc voilà. Si je le trouve en médiathèque, il est probable que je l'achète, mais bon. Mais vu que là, il a eu le Renaudot, et que déjà, en temps normal, c'est dur d'emprunter un Nothomb à la médiathèque parce que tout le monde se l'arrache. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je lirai, mais je lirai probablement ces deux-là. J'avais vu Mon maître et mon vainqueur chez Gallimard aussi, qui a eu le... C'est pas le Médicis ? Non, le prix, le Grand Prix de l'Académie française. Grand Prix de l'Académie française, tout à fait. Peut-être que je le lirai.
Peut-être que je le lirai parce que Lisa en a fait un très bon retour et que j'ai jamais lu un prix de l'Académie française, ou en tout cas volontairement. J'ai peut-être lu des bouquins qui avaient eu ce prix-là sans le savoir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker si vous voulez la faire voyager. Vous pouvez la partager. Et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux. Il est trop beau le plan de « et d'être heureux » avec le sapin.